Je suis allée dans la loge et j'étais là, toute timide, dans un coin, parce que je ne savais pas quoi lui dire. Et je voyais que Jean-Pierre avait le regard vers moi. Lui ha scritto. C'era in lei qualcosa di profondo, di puro, un fascino segreto. Seppi subito che non mi sarebbe stato facile dimenticare il suo sguardo strano e luminoso. Due anni dopo, nel 1956, si ritrovarono per caso su un set di Hollywood. Un jour, un soir plutôt, j'entends un coup de téléphone. Il y a un monsieur avec un accent très français qui parle en anglais et qui me dit « Mais Maryse, je suis là, tu ne me reconnais pas, on s'est connus à Paris, etc. etc. » Je dis « Mais qui est là? Qui est à l'appareil ?» Et il me dit « C'est Jean-Pierre Aumont. » Et alors, il me dit, je donne un dîner demain soir. Est-ce que vous avez la gentillesse de venir et faire partie de ce dîner? Parce que j'ai invité aussi votre sœur. Et j'ai demandé exprès, est-ce qu'on peut arriver, décontracter ou pas? Il a dit, vous venez comme vous voulez.